bon savoir que on ne va pas nous donner. Nous devons nous organiser. Il y en a qui sont là, il y a Mbotele, il y a Physicien qui est là, je suis là, il y en a d'autres encore. Vous avez des anciens joueurs. Quand il y a réunion de footballeurs de tous les Africains, la question que les autres ils me posent, comment se fait-il que chez vous, vous avez des joueurs qui ont évolué, mais est-ce que vous nous amenez, on ne les connaît pas. Mais par rapport à quoi vous choisissez vos joueurs? C'est ça que je voudrais savoir. D'après les statuts de la fédération, ils reconnaissent que les associations qui peuvent travailler au sein de la fédération, au sein de leur structure, qui est les associations des footballeurs actifs qui ont une représentativité nationale. Donc, au niveau des textes de la fédération, déjà, il y a un problème. Non, mais excusez-moi. On a compris que, effectivement, les gens de la fédération choisissent par clientélisme et par copinage leurs amis. Par amitié. Mais tout à fait. On n'a jamais vu des aveugles se guider. Hein. Voilà. Qui va t'aider? Qui a cette envergure pour nous aider? Bon, c'est ça la question que je vous pose aussi en tant qu'ancien. C'est pas une critique, mais nous on est confronté à ça. Parce qu'aujourd'hui, je viens de découvrir qu'il y a monsieur tel qui a joué tel. J'apprends encore qu'il y a certains grands joueurs qui sont ici, mais nous ne les connaissons pas. Parce nous, que vous n'allez pas dans le non, fond. Parce que le problème aussi, c'est que nous n'avons pas où aller demander. Et que le problème, c'est que la fédération congolaise ne fait pas ce qu'il y a à faire. On a des individus qui. Je les appelle les snipers du football. C'est-à-dire que ce sont des gens qui lancent comme ça des brides, qui lancent pas. Mais un sniper ne peut pas constituer une armée. Hein. Justement. Un sniper n'a jamais constitué une armée. La fédération congolaise même a eu, déjà dès sa naissance, une malformation congénitale. Donc il faut extraire ce mal-là et réorganiser ce football. Qui en profitent. Il y a ce problème-là. C'est que tout le monde, il y a plein de gens comme vous qui ont ce savoir dont les gens en ont besoin. À chaque fois qu'on vient commencer et qu'on se confronte à ce désordre-là, il n'y a personne qui continue à rester pour se battre. Parce qu'ils voient que ce n'est pas possible. Et nous, quand tu parles d'Eto'o, tu parles de Drogba, ce sont des personnes qui ont même fini des guerres dans leur pays. Nous, est-ce qu'on n'a pas ces joueurs-là? Dès qu'il y a une confrontation, il y a un problème, ils disparaissent. Où sont les Chabani, Nonda, tous ces noms-là? Excusez-moi de citer des noms. Ce sont des gens qui ont eu des grands noms, mais qu'est-ce qu'ils sont où? Il faut citer les noms. C'est qui? Il y a Epo Mati, entraîneur national de U17. Oui, U17. Voilà. Il y a Lofo qui est entraîneur national de U20. Ouais. Il y a Santos Otubile qui est l'entraîneur adjoint de Claude Leroy. Il y a Mouepou, le 74, qui est l'intendant de l'équipe nationale. Oui. Il y a Boulaïma qui est l'entraîneur des gardiens. Il y a Monsi, Toubila, il y a des anciens qui sont là. C'est pas parce qu'on est ancien que forcément on a des connaissances. Ah, voilà. Attends, sérieux. Il n'y a aucun Congolais qui a le droit ou le monopole de l'amour du Congo ou le certificat d'aptitude à aimer le Congo ou à être au pays. Plus que les autres. Voilà. Plus que les autres. Personne. Le pays, on le porte en soi comme la tortue porte sa carapace. Voilà, moi je pense qu'il faut vraiment rester dans le concret, travailler, retrousser les manches. En commencer d'abord par les jeunes, ne pas négliger ça. La ministre, oh, au moment où il y a fiasco. Donc, je suis nul. Quand je suis nul, c'est zéro. Donc, zéro. Si je suis nul, je suis nul. 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 Il s'agit qu'à tout ton dimanche pour le banana de Bokola. Gouvernement pèse un bon banana baya awa ta inane na formation. Babeta babale, n'a pas qui pour amiquer, mais qui pour matin. Et si l'on a un bon banana.